Quel que soit le niveau, il y a toujours un peu de stress au départ d'une course. Il en est de même pour l'organisateur d'ailleurs, le CSA Cyclisme en l'occurrence, pour ce dimanche de Pâques. Ce circuit en soi n'est pas difficile. Comme souvent, le vent apporte à la difficulté donc de la saveur, cette pointe piquante qui brûle les cuisses parfois. Toutes les catégories de jeunes étaient représentées, filles et garçons, qui ont lutté contre vent et adversaire pour gagner. C'est le cas de Clément Abersetzer du CS Senlis, de Julien Fournier de l'ECC Arquigny et de Megan Bazir du CSL Vernon. Le couple païen du WC Auto-sur-Mer rentre à la maison avec une place de 2, celle de Jérôme et la première place pour Pauline. La forme est à la feuille. Avec son beau maillot de champion régional, Michel en solitaire a fait sonner une première fois le nom de Thibaut par sa victoire. Bonheur n'arrive jamais seul, il est accompagné de Thomas. Michel rêvait de cet instant, ce moment où, sur une même organisation, Michel et Thomas seraient vainqueurs. En effet, Thomas Thibaut en deuxième catégorie avec une course empirique du haut de ses 17 ans. De belle manière donc, venait inscrire pour la deuxième fois le nom de Thibaut sur le registre des vainqueurs de ce dimanche pascal à Cléry dans l'Eure. Alors bravo papy Michel et votre petit-fils Thomas, bravo messieurs. J'ai rebaptisé le club du président Emmanuel Cumont LFCI, j'ai ajouté en l'occurrence le I pour insatiable car dans toutes les catégories masculines, il y avait un coureur, voire quatre dans une échappée. C'était le cas en troisième catégorie qui a vu la victoire de Jérémy Bonnet en solitaire. En première catégorie, avec un départ groupé 1 et 2, soit un effectif de 38 cyclistes, le vent et la distance a fatigué des coureurs au fur et à mesure des tours. Il fallait attendre le 8e au kilomètre 42 pour voir des cassures et un groupe se former devant. Au 11e tour, 5 hommes de tête se font rejoindre par un deuxième groupe dans lequel se trouvent entre autres David Savouret et Michael Ouanard. Mais il y avait la suite dans les idées de Jérôme Payen et de Guy Dauphin du WC Auto-sur-Mer et du CM Lepec. Dans le 12e tour, aux environs du kilomètre 63, ils sortent et c'est le coureur des Yvelines, Guy Dauphin, qui est le plus fort car il acquiert la victoire avec quelques secondes d'avance sur Jérôme Payen, le sylvain-marin, qui pourtant avait une supportrice de choix qui l'attendait à l'arrivée. Écoutons donc la réaction des différents vainqueurs. Disons que j'ai eu assez de mal à sortir quand même. Parce que personne ne voulait comme maillot de Normandie ou Colette, pas facile à partir. Tout à fait, oui. Bon, j'ai réussi dans le vent, puis ben voilà, ça a payé. D'accord, du premier coup, tu as fait plusieurs Oh, tentatives? plusieurs, et deux, trois premiers tours, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Dès le début, comme ça? Ouais, j'ai essayé de toute façon, pour le vélo. Et puis ça a payé dans le vent là-bas, j'ai réussi à partir. D'accord, c'est la première victoire? Non, troisième. Troisième victoire? Ce qui signifie que tu seras en 3 la prochaine course? Non, parce que j'ai vu l'âge. 65 ans. D'accord. T'as le droit à 4 victoires, 5 ça. Victoires. 5 victoires. D'accord. Donc là, ça fait 3, donc peut-être encore 2. J'espère les avoir bientôt. Oui, tout à fait. Ah, bah oui, avec la forme que tu as maintenant, ça peut le faire. Bah, je pense, oui, ça devrait le faire. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Alors, Jérémy, expliquez-moi ta course. Comment tu l'as imaginée avant déjà? Juste au début? Bah, je ne m'imaginais pas gagner aujourd'hui. Pas forcément, d'accord. Bon, bah, on est parti à 5, à 8 ans de l'arrivée. Et puis, avec deux coureurs d'AFEI, hein? Oui, avec Laurent Dillard aussi, un coéquipier à moi. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, la course s'est plutôt bien passée pour moi et j'ai pu essayer de m'extirper à 3 tours de l'arrivée. Et comme ça, ça s'est fait au feeling. D'accord. Entendu, et durant le dernier tour, c'était dur. Oui, les deux derniers tours ont été. On t'a donné le temps? Tu savais quel était le temps qui non, séparait, non? On est assez fréquemment pour voir. Pouvoir jauger à peu près les D'accord. distances. À quel moment tu t'es dit que c'est fait? Dernier tour.
dernier tour, parce que rien n'est joué. Non, d'accord. Rien n'est joué. Je ne sais pas si c'était prévu, mais victoire en 3, victoire en 4, avec une excellente course d'équipe. Tout à fait, ouais. Vous préparez ça généralement ou à l'entraînement ou... À l'entraînement, on le prépare un petit peu, mais bon, on est une équipe de copains, tout le monde s'entend bien. Donc d'accord. Ils ont tous l'expérience du vélo, donc ça aide. Vous déplacez à chaque course ou... Non, pas non, parce que j'ai une équipe cadet aussi, j'ai une équipe FFC, donc j'en ai un peu partout. On est 40 licenciés maintenant à la FUI, donc on bouge un petit peu partout. Ça fait, ils vous ont fait honneur, et sachant que vous étiez sur la course, ils ont donné le maximum. Bah, ils n'ont pas le choix. Hein. Merci, Président. Bonne course pour les prochaines. Merci. Super, mon gamin. Par contre, tu vas pousser Charles en champagne à ton père. Alors Thomas, comment s'est passé alors ta course aujourd'hui? Je me suis échappé au début tout seul, après parce qu'il y avait des échappés, je suis parti tout seul, ça roulait plus. Putain. Et puis il y a un groupe qui est revenu sur nous, je les ai suivis, mon groupe a lâché. Et puis je suis arrivé ici avec un deuxième catégorie, les autres ont lâché. Tu te sentais bien aujourd'hui, tu te sentais bien Au départ je me sentais bien, après j'ai un coup de mou vers le milieu, pour 60 km. Et puis après, ça a repris, j'ai mangé. D'accord. Est-ce que le fait de savoir que la FUI avait déjà deux victoires, ça t'a donné encore un peu plus de motivation? Absolument, il a gagné. Le cyclisme est fait de moments difficiles au point de vue météorologique ou d'effets de course, crevaison, chute, mais surtout des instants dans le plaisir de la victoire ou d'une place sur le podium, ainsi que de belles rencontres comme un petit entretien que m'a gentiment accordé M. Bruno Thibault à suite à la victoire de Thomas Thibault. Bruno est un ancien professionnel de chez Castorama, de chez Motorola, Cofidis et Jean de la Tour, avec 3 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne, des classiques et j'en passe. Bruno, vous avez assisté à la course de votre fils, à la victoire. Est-ce que c'est vous qui l'entraînez ou pas? Est-ce que c'est vous qui lui donnez autant de techniques, tactiques et d'énergie pour ça? Je lui donne quelques conseils, mais il a quelqu'un qui l'entraîne parce qu'il a plus d'écoute envers lui. Père-fils, il n'a pas forcément toujours envie de m'écouter. Donc il a quelqu'un qui s'occupe de lui au niveau entraînement. Puis aujourd'hui, il avait un bon équipier qui lui a bien montré comment se passer au niveau du peloton. Et ça débouche sur une petite victoire en deuxième catégorie, donc c'est super. Bon, deuxième déjà pas mal pour 17 ans qu'il a. 17 ans. Année de vélo, vraiment. Donc, première année de vélo. Aujourd'hui, c'était un grand cap parce qu'il a osé attaquer, s'est retrouvé dans l'échappée, donc c'était super pour lui. Excellent, c'était votre façon de courir aussi. Vous attaquez beaucoup ou... Ouais, mais j'étais assez bagarreur. Je me posais pas trop de questions, moi. Je faisais au feeling. Ça a souvent marché. D'accord. Vous savez, vous le connaissez, c'est votre fils. Vous savez qu'il était capable de faire une belle course comme ça aujourd'hui? Physiquement, je savais qu'il était capable. Après, c'était mentalement, parce qu'il commence le vélo, donc il est en doute, il n'ose pas attaquer. Je lui ai dit aujourd'hui, tu dois attaquer. Tu fais ce que tu veux, mais attaque. Même si tu fais dernier, c'est pas grave. Attaque. Et il a attaqué. Puis, super, bravo. 3 victoires pour la FUI en plus. Oui, en plus, le grand-père a gagné en 4e catégorie, le fiston en 2e catégorie. Super. Super, bravo. Merci. C'est la première fois qu'on fait la course. Première fois? Et c'est le vent qui était avec le vent. Aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de vent. Bah, souvent, il y a du vent ici. C'est ça qui est très gênant. Et est-ce que vous connaissez vos adversaires de la région? Oui, quelques-uns sont bien souvent ici. D'accord. Est-ce que vous craignez quelqu'un en particulier ou pas vraiment? Tout le monde. D'accord. C'est un peu la loterie après quand on se retrouve devant. Ouais. Comment vous avez abordé votre course au départ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai dit tu vas aller devant. Faites devant. Devant, c'est votre façon de courir? Ouais, c'est l'attaque souvent. Il faut suivre les coups. Et vu le vent, c'est fait à l'usure en fait. À l'usure. Jusqu'à la mi-course, tout le monde était bien frais. Ouais. On commence à sentir que. Tout à fait. Donc plus dur. Et c'est de là que vous avez attaqué dans les deux derniers tours, c'est ça? On est parti à 5, on était 5. 5, oui.
Et après, on est, il y a le groupe qui est revenu, on est tout à fait. Deux tours. Ouais. On s'est bien entendu jusqu'à l'arrivée. Ouais. On fait ça au sprint. D'accord. Vous avez fait un tour à deux avec le coureur de Seine-Maritime. Ouais, d'accord. Et au niveau des relais, ils venaient derrière, ça rentrait derrière. Ah, ils sont pas loin, ouais. C'est pas loin. Il fallait pas se relever. Hein. D'accord. Combien de victoires? Cette année, c'est la deuxième. La deuxième. Ouais. La première, c'était où? C'était à Sonchamp. À Sonchamp, c'était quel département? C'est à côté de Rambouillet, dans les collines. D'accord. Les d'accord, entendu. Félicitations. Merci. Suivons donc la remise des prix en commençant par Michel Thibault en quatrième catégorie. Félicitations. La famille Thibault est connue dans le monde du vélo. La coupe remise par le délégué au sport de la ville des Anglis. Une charmante demoiselle pour remettre les fleurs. Ce touriste préféré, Lilith. Range tes mains, Jérémy. En deuxième catégorie, toujours de la famille Thibault, Thomas cette fois. Ouais. Toujours de la pluie. Alors là, encore une charmante demoiselle. Carton plein pour la pluie. Et enfin, en première catégorie, nous appelons Guy Dauphin de CLM Le Pec. Bravo. Bravo Guy. Félicitations, belle course. Arrête de modèle pour Guy. Je remercie tous ces coureurs d'être venus, c'est sympa. Ça a permis de faire une course qui ressemblait à un peloton, qui ressemblait à un peloton. On va faire les petits maintenant. Les 15-16 ans féminines, Bazir, Mégane. Allez, gars. Mégane, Bazir. Offert par le président de CSA Andy, Nicolas Bénard. En féminine, Payen Pauline, Docto. Attention, on est passé. Félicitations, Pauline. On va commencer par la CSA Andy. Belle course, ça. Rien. Hein? J'ai 15-16 ans. Clément Abertezer, des Andy. Ouais. Avec le maillot vintage. Bien, petit Clément. Félicitations, Clément. Il a remonté les couleurs du CSA. En 13-14 ans, le petit Fournier Julien. Ouais. C'est marrant, c'est tous les petits sont des coureurs. Allez, ça ne rajoute pas, c'est vrai. Et le prix d'équipe revient à la PEI. C'est pas trop surprenant. Non, le président. Le président de la PEI. Manu, le président de la PEI. Attention, on va laisser passer la voiture. On va appeler aussi le meilleur représentant en première catégorie, Romain Cantelou. Manu. Le prix par équipe. On félicite Romain qui a pris une belle troisième place. Félicitations. Donc on remercie tout le monde d'être venu.